Bonjour et bienvenue dans ce second épisode, saison 3 des Capsules psychiques d'Alain Legrand. Aujourd'hui, nous allons aborder les 12 C. Qu'est-ce que c'est que les 12 C? Souvenez-vous, saison 1, saison 2, nous avons abordé la générosité. Comment exprimer la générosité en pratique et au quotidien? Comment? Eh bien, en exprimant les 12 C. Voici le schéma. Je vous le montre à l'écran. Eh bien, sur ce schéma, on parle du self, du soi. Mais qu'est-ce que le soi? On se permet d'en parler depuis l'orée du XXIe siècle. L'homme n'est pas un tout. Il est constitué de différentes parties, des parts, des sous-personnalités et d'un self. Ce self est plutôt un espace qu'un simple état. C'est un espace intérieur vaste, naturel, spontané, calme, compassionnel. Et cet espace vient et émerge du non-imaginable. Parce qu'en fait, on ne peut pas imaginer le self, on ne se représente pas le self. On l'agit. Comment? Eh bien, à partir des 12 C. Voyons le schéma des 12 formes de l'intelligence. Eh bien, à chacune des formes de l'intelligence correspond un C. Donc, un qualificatif qui commence par la lettre C. Et en fait, ce modèle est une extension du modèle de Robert Schwartz qui a créé IFS, Internal Family System. Eh bien, Robert Schwartz avait bien raison. En fait, il suffisait d'étendre les 8 C de Robert Schwartz aux 12. Comment? Eh bien, avec l'aspect visuel, c'est lorsque la clarté vient à votre conscient. Par rapport à la logique, c'est quand la cohérence monte à votre conscient. Par rapport à l'imaginaire, c'est quand la créativité monte au conscient. Par rapport à l'interpersonnel, c'est quand le choix monte au conscient. Par rapport à l'existentiel, c'est lorsque la compassion est exprimée. Par rapport à l'interpersonnel, c'est lorsque la connexion la plus forte au soi est réalisée. Par rapport au tactile, c'est évidemment le contact, parce que nous savons à quel point elle développe, elle génère l'ocytocine et elle nous fait entrer dans l'amour. Par rapport à l'olfaction et au gastronomique, la chaleur. Par rapport au naturaliste, c'est lorsque le courage est exprimé. Par rapport à la kinesthésie, c'est lorsque la confiance du corps est présente. Par rapport à l'audition, le vocal et le musical, c'est la curiosité qui nous fait pointer l'oreille. Et par rapport à la linguistique, c'est le calme intérieur. Comme vous le voyez, le self est effectivement une expression qui monte d'au-delà du corps, qui vient se matérialiser dans le corps au travers de ses 12 qualités. Alors, je vous invite pour demain. Le petit travail que je vous propose de réaliser, c'est de sentir combien de C vous pouvez laisser monter au conscient en arrivage du soi, de la conscience, pour réaliser une connexion entre le conscient et la conscience. Je vous invite, chers amis, demain, de ressentir le plus de C possible sur les 12. Et de les inscrire ci-dessous pour nous les communiquer et échanger ensemble. Alors, bonne aventure intérieure! Et dans la prochaine vidéo, je vous aborderai l'imaginaire. Est-ce que l'imaginaire est une forme de l'intelligence? À demain! Bonne aventure intérieure!